Je suis en compagnie de la famille d'Océane Rajotte. Bonjour! Bonjour! Comment vous vous sentez aujourd'hui? Écoute, plein d'émotions, plein de belles émotions. C'est vraiment un beau cadeau qu'on a aujourd'hui. C'est le fruit de plusieurs années d'efforts. C'est vraiment. C'est le fruit, je dirais aussi, de se lever le matin, souvent avec bonheur. Puis là, on voit le résultat. On voit qu'Océane a une grande sœur, Alice, qui patine, qui donne l'exemple. Puis ça, ça aide beaucoup Océane dans sa progression. Comment tu trouves ta journée aujourd'hui? Bien. T'es content de ta performance? Une belle médaille d'or? De ma compé. On est juste du Québec. On aime ça. J'ai commencé à 2 ans. Toi aussi, t'aimes ça, le patinage artistique? Oui. Tu donnes des trucs à ta sœur? Oui. Ça les amène à se dépasser eux-mêmes, à connaître, à vivre des émotions, à les gérer, leurs émotions. Océane, elle apprend à gérer beaucoup, beaucoup, beaucoup ses émotions là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens pour la suite? Bien, pour la suite, pour Océane, on ne sait pas, c'est peut-être la dernière fois qu'elle peut participer aux Jeux du Québec à cause d'une espèce de controverse, là, que ça serait la dernière fois, parce qu'ils disent qu'ils sont pas assez nombreux. Nous, on espère que cette décision-là va être changée, puis le fait de montrer Océane puis les autres enfants qui pratiquent le patinage artistique aux Jeux du Québec, aux Olympiques spéciaux, bien, ça va peut-être permettre aux gens qui ont pris cette décision-là de la changer. C'est ce qu'on souhaite. Puis les Olympiques spéciaux aussi, on veut dire que c'est pas juste du patin artistique. Il y a plein d'autres disciplines, là, de la natation. Il y a du boccia, il y a du patin de vitesse. Il y en a aussi la gymnastique. Fait que je pense qu'on dit toujours que c'est mieux aller à une compétition avec une valise de patin qu'aller à l'hôpital avec une valise avec du linge dedans. Alors, je pense que c'est pas mal plus encourageant, ça. C'est très inspirant, cette ambiance-là qu'il y avait ce soir. On se sentait appuyé de toute la population, de tous les athlètes. Tout le monde nous appuyait. On a senti vraiment, vraiment un esprit de famille ce soir. Ça a vraiment fait chaud au cœur, vraiment. C'est notre deuxième participation aux Jeux du Québec. Océane était allée il y a 2 ans à Saguenay. Puis c'est encore été la même chose qu'à Saguenay. C'est toujours, on dirait que les Olympiques spéciaux, c'est le cœur et l'âme des Jeux du Québec. Il y a toujours une ambiance, beaucoup de supporters, des estrades pleines. Alors ça, c'est le fun. Puis il y a beaucoup de gens qui encouragent nos enfants. Puis il y a une maman hier des Olympiques spéciaux qui a dit que c'était bon aussi pour les autres athlètes de côtoyer ces enfants-là qui sont différents. Ça lui fait apprendre des choses. Puis eux autres, de côtoyer des enfants normaux, bien, ils apprennent des choses aussi. Puis ça, je pense que c'est le beau côté des Jeux du Québec, puis c'est unique au monde. Okay, on aime bien ça. Puis les jeunes qui sont Olympiques spéciaux, si vous avez remarqué sur la glace ce soir, c'est des jeunes qui sont vrais. Leurs émotions, ils les garochent. Tu voyais les jeunes, tu sais, se lever le bras dans les airs, puis se taper en voulant dire « Je l'ai eu, j'ai réussi, je suis fière de moi. » Les gens qui sont plus normaux, je vous dirais, ils n'ont pas ils sont gênés de faire ça, ça sort pas naturellement, mais eux, là, ça vient du fond du cœur, c'est naturel, puis c'est vrai, puis c'est de toute beauté. Est-ce que tu vas dormir avec ta médaille ce soir? Est-ce que tu vas dormir avec Olaf? Oui. Tu vas garder un beau souvenir de ces jeux, hein? Oui. On a 2 nouveaux membres de la famille, 2 Olaf. C'est ça! Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Merci à vous. Salut au monde de Magog et de Drummondville. Et en passant, Hélène, elle s'en est pas vantée, mais elle a déjà gagné une médaille en ski nautique aux Jeux du Québec. Ça fait longtemps. À l'âge de 7 ans, j'ai une médaille d'argent aux Jeux du Québec. Fait que là, ma fille me suit.